Bien, bonjour à tous, c'est Devil, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et aujourd'hui, nous voici sur GT5 pour le commencement du let's play interminable de GT5. Alors, bon, qu'est-ce que GT5 pour commencer? Alors, GT5, c'est tout simplement le cinquième opus de la série Gran Turismo, le cinquième réel opus, sorti en 2010, si je ne me trompe pas, sur PS3. Évidemment, l'un des premiers Gran Turismo à supporter réellement la HD, en l'occurrence la 1080p. Gran Turismo HD le faisait déjà. Gran Turismo HD étant un prologue de prologue, si on veut. Parce qu'il y a eu un GT5 prologue, que je n'ai pas en ma possession, donc que je ne vais pas traiter aujourd'hui, ni quoi quand que ce soit, enfin, à part si j'en trouve un, mais bon, bref. Le premier, donc du coup, vrai Gran Turismo sur PS3, le premier vrai Gran Turismo en HD, enfin bref, voilà, vous voyez un peu le délire. Alors, si vous trouvez que GT Sport est long, bienvenue sur l'un des jeux les plus longs de la planète. Non, plus sérieusement, bon, il y a plus long, évidemment, GT 4 étant le all-time en termes de longueur de jeu, mais GT 5. Avant d'en reparler, je vous laisse profiter de cette cinématique du jeu.
Bon, et bien nous voici sur Gran Turismo 5. Alors comme vous voyez en haut, 2014, c'est la date de la dernière mise à jour du jeu qui a malheureusement fermé les serveurs online. Alors, néanmoins, c'est pas très grave, nous on n'est pas là pour ça, on va s'attaquer au offline. Alors pourquoi vous faire un let's play sur un jeu aussi interminable que GT5? Premièrement, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à ça. De une, je voulais pas faire un let's play sur GT3 ni GT4 étant donné que c'est sur émulateur. J'aime bien faire des vidéos sur ces deux jeux-là. N'empêche que niveau qualité, ça rend pas aussi propre qu'un GT5 et pour moi c'était quand même un minimum important d'avoir quelque chose de clean. GT4 c'est bien gentil, niveau fluidité par contre il y a un petit souci. Voilà, mon PC n'est pas une machine de guerre, néanmoins ça je vais pouvoir vous le faire et c'est le principal. Également, en ce moment je trouve pas de motivation à jouer GT Sport. J'ai beau essayer de me remettre au FIA, j'ai beau essayer de me remettre à rouler ou quoi que ce soit. Je n'y vois aucun intérêt, et le seul truc qui me botte limite, c'est retaper ça, GT5. Alors je l'ai déjà fait il y a un an et demi, donc j'ai déjà roulé au volant sur GT5. Néanmoins, je me dis que ça peut être plutôt intéressant de le faire avec vous. Donc dans ces premiers épisodes, on va vraiment juste s'occuper de voir un petit peu, de découvrir le jeu. Ça va être très court, une quinzaine de minutes, là il vous reste globalement 6 minutes de vidéo je pense, il n'y a pas grand chose à dire. Vous introduire un petit peu à comment ça va se passer. Et puis dès le prochain épisode, donc qui sortira demain pour vous, alors moi je ne sais pas quand je sortirai cette vidéo là, ni le rythme de vidéo que je compte imposer. A savoir ailleurs que bah, je vais vous le dire juste après, mais voilà, ça sera pas un let's play à 100%. Et ça durera d'un temps à un temps. Donc voilà, je vais essayer d'en faire le plus possible parce que c'est quelque chose qui me botte pas mal. Maintenant voilà. Ça sera pas forcément. Super régulier, enfin normalement ça devrait l'être un minimum, et ni super détaillé comme let's play, on ira le plus loin possible. Alors globalement je vais vous dire tout ça dès que je serai dans le GT, mais voilà, juste petit truc. Alors chose à savoir par rapport à tout ça, premièrement si vous êtes au T150, je vous l'ai dit la dernière fois sur un stream,
ou n'importe quel autre volant et que vous voulez rejouer à GT5 avec votre ancien volant, sachez qu'il y a de très grandes chances que celui-ci ne fonctionne pas. Pourquoi le mien fonctionne? C'est tout simplement parce que j'ai dû downgrade mon volant. Alors en gros, la dernière mise à jour des volants Thrustmaster qui rend compatibles les volants avec le nouveau pédalier, à savoir le TLCM, rend tout simplement le truc complètement incompatible avec la PS3. Donc fort heureusement pour moi, j'ai trouvé un firmware sur internet et c'était pour 1650, donc ça c'est très bien. Ce qui m'a permis du coup de pouvoir vous faire ce let's play. Donc on roulera au T150 qui d'ailleurs est reconnu comme T500. Ça c'est important à noter. Également en termes d'affichage, on va se mettre en qualité normale. Ça sera beaucoup plus simple et ça sera beaucoup plus... Enfin ça sera plus fluide en tout cas, du moins j'espère. Donc au niveau du réglage de direction, on va directement se mettre en simulation parce qu'on faut pas déconner. Même si je ne sais pas si ça change grand chose, mais bon, c'est pas grave. Direction assistée, non. Retour de force, je l'avais mis à 7. On jouait la dernière fois, j'ai regardé sur mon autre compte. On va se faire vite fait l'attribution des commandes. Donc, vue arrière, L2, c'est bon. Fantôme, oui, on s'en fout. Changer de vue, select, ça me va. Hop, essuie-glace L3, ok. Phare, je crois que ça doit être R2, bon, ok. Ouais, puis globalement, c'est bon, j'ai pas besoin de grand chose d'autre. Si, un bouton pour le nitro, idéalement, que je mettrai sur R2. Vous savez quoi, je vais mettre ça sur R2. Le nitro, il est où? Ils appellent ça spécial, je crois. Ah non, il n'y a pas de nitro sur ce jeu. My bad. Il n'y a pas de nitro sur ce jeu. C'est sur GT6 qu'il y a le nitro. My bad. Vous voyez, on commence déjà. C'est sur GT6 qu'il y a le nitro. D'ailleurs, par rapport à ça, GT6, alors ça m'empêchera pas de vous faire des vidéos sur d'autres jeux, comme GT6 par exemple, comme GT Sport évidemment. Voilà, je ne sais pas combien de vidéos je vais vous en faire, si même on va le finir, honnêtement je ne le pense pas. Évidemment, bon, je suis connecté au PlayStation Network, mais bon, les serveurs ne fonctionnent pas, donc voilà. Ok, alors, commençons. Donc ceci est votre page, ma maison. Vous disposerez ici de... trois fonctions principales: GT Live qui vous permet de profiter de chaque aspect de l'univers automobile, profil qui vous permet de consulter votre progression dans le jeu, communauté, un espace privé en ligne. Alors communauté ne marche plus, voilà, je vous le dis, les serveurs sont fermés. Donc voilà. Avant de commencer, vous devez configurer votre page Ma Maison faisant ce qui suit. Choisissez votre couleur de thème et de fond d'écran, choisissez votre message de bienvenue, vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment, blablabla, blablabla, les photos, tout ça. Voilà. Alors, écoutez, on va le laisser en bleu comme ça, c'est très bien. Message de bienvenue, de toute façon, on s'en fout. Voilà. Dessus conclu, voilà. Bon, bref. Alors, globalement, vous avez reçu 8 objets tenu, vous pouvez les utiliser. Oui, c'est vrai, il y a les pilotes, aspect, bespec. Pour appliquer un objet tenu à votre pilote, blablabla, vous le faites, changez la tenue, bref, tout ça, on s'en fout un petit peu. Mise à jour version 2.0 terminée, vous recevez donc Bunkado 86 GT 2012. GT Auto, rétablir la rigidité, tout ça, bon, la rigidité, je crois que c'est ce que j'ai dit, oui. On va la récupérer, alors, vous l'avez, je pense, bien remarqué, nous sommes au-dessus de la version Spec 2, nous sommes à la toute dernière version du jeu, tout simplement, donc on a absolument tout ce qu'il y a eu sur le jeu depuis le début. Mais, comme vous le savez, je préfère en parler tout de suite, dans ce let's play, je n'aborderai pas les voitures hackées. Par contre, je compte bien aborder ce détail-là dans une vidéo à part de Rétro GT. Parce que c'est quelque chose qui a quand même énormément affecté le jeu, le hacking. Et pour moi, c'est tout simplement inconcevable de ne pas parler de GT5 sans parler de hacking. Puisque c'est globalement tout ce qui a fait la fin du jeu. Globalement. Donc, on en parlera si j'arrive à faire fonctionner le Garage Editor ou ce genre de truc. Je reviendrai dessus par rapport à d'autres vidéos. Mais voilà, faudra en parler. Bon, évidemment, nous sommes sur un jeu totalement offline. Je ne me servirai pas de ça lors de ce Let's Play GT5. Voilà, c'est juste que j'en traiterai évidemment, parce que je sens que la question va arriver. J'en parlerai. Je parlerai également du défi SVTL, peut-être, avant d'en arriver là, au niveau du Let's Play, si on en arrive là, parce que c'est à niveau 30, c'est pas forcément évident à atteindre. Quoi d'autre? Au niveau donc du Let's Play en tant que tel, il n'y a pas d'objectif de fin. Globalement, je vais rouler sur GT jusqu'à temps que j'en ai marre. Donc, il n'y a absolument pas d'objectif. Je ne compte pas, je vous dis direct, faire les endurances. Parce que pour moi, ça serait juste inconcevable, en fait.
Bon, d'abord, on va dire ça. Donc, les épreuves ASPEC vous permettent de devenir le pilote en passant derrière le volant et en gravissant les échelons du classement à travers différentes épreuves. Plusieurs séries de courses sont disponibles en fonction de l'évolution du niveau de compétence de pilotage. Chaque série est composée de diverses courses, certaines ayant des exigences spéciales comme une cylindrée minimum, pardon, un type de transmission ou une marque de voiture spécifique. Vous commencerez par la série débutant, ensuite, lorsque votre niveau ASPEC augmentera, vous pourrez participer progressivement à des courses de plus haut niveau. Bon, alors la série extrême que nous n'avons pas encore débloquée, bon, il y a au-dessus de la série extrême, à savoir la série endurance, je crois. Je pense que si jamais je dois faire vraiment une fin et qu'on arrive jusqu'à là, je m'arrêterai à la fin de la série extrême. Pourquoi ? Parce que les courses d'endurance durent 4 heures. Je sais pas si c'est réellement intéressant de vous montrer des courses de 4 heures d'endurance en solo. D'autant plus que l'IA n'est pas forcément très costaud sur ce jeu, comme tous les jeux d'ailleurs. En ce moment, il y a Artie, un de mes coéquipiers, qui refait le jeu, et il m'a donné une idée plutôt sympa, à savoir que, à chaque fois, il prenait la voiture la moins performance en termes de PP dans les voitures présentes. Alors évidemment, dans le début, on a très peu de crédit, et de toute manière, on va s'attaquer au permis tout d'abord. Néanmoins, par l'avenir, si jamais on tombe sur la catégorie DTM, on prendra la pire en termes de PP. Ça pourrait peut-être faciliter la chose et rendre l'IA un peu plus compétitif. Hein. En l'occurrence, plutôt nous ralentir. Si je vois que c'est toujours trop facile, pourquoi pas après baisser la puissance de notre voiture également. C'est quelque chose qui est possible. Voilà, le but, ça sera quand même d'avoir un minimum de challenge, c'est évident. Mais je préfère prévenir quand même. Vis-à-vis du VSPEC, je ne compte pas l'aborder dans cette série, tout simplement parce que le VSPEC, voilà, c'est un truc qu'on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je suis pas fan du tout du VSPEC. Le BESPEC, en gros, c'est vous vous mettez à la place d'un ingénieur de piste. Donc globalement, vous dites à votre pilote d'être agressif, d'être plus calme, etc., etc. Le mode de jeu peut être intéressant, néanmoins, je vais pas l'aborder ici parce que déjà, on va être sacrément occupé par la carrière en ASPEC, les événements spéciaux également. Donc voilà, ça va être assez. Enfin, ça va être comme ça. Évidemment, je n'ai pas besoin de préciser que le vendeur de collector en ligne, l'événement saisonnier et le salon libre ne sont pas disponibles étant donné que les serveurs ont fermé. Donc on se contentera donc uniquement du vendeur de voitures d'occasion, ce qui pourrait nous poser quelques problèmes, notamment si jamais on veut obtenir la Formula Gran Turismo, qui je crois coûte 2 millions. Donc il faudra faire attention, 2 ou 5 peut-être, 10 d'ailleurs, je ne sais même plus. Il faudra faire attention au niveau du vendeur de voitures d'occasion. L'un des buts de cette série pourrait potentiellement d'avoir au moins une Formule 1, donc une Formule 1 Ferrari, je précise, qui sont disponibles dans le jeu, à savoir la F2007 et la F2009, je pense. On va regarder ça. Bon, évidemment, là, comme vous voyez, on peut acheter très peu de voitures. C'est tout à fait normal. Mais voilà, ouais, soit la F2010, pardon, soit la F2007. Le but, ça sera au moins d'en avoir une, donc avoir au minimum 10 millions, ça pourrait être pas mal. Maintenant, on verra bien. J'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus, parce que je n'ai jamais conduit de Formule 1 sur Gran Turismo avec le volant, en tout cas de Formule 1 comme celle-ci. Évidemment, j'ai déjà conduit la Formule 1 qui est présente dans Gran Turismo Sport, mais pas sur GT5, et j'ai envie de tester tout ça. Bref, je pense à peu près avoir tout dit au niveau des objectifs. Le but, évidemment, va être de tout faire en or, de faire le maximum en or, plutôt, devrais-je dire. Voilà, cette série pourra avoir une fin prématurée, suivant pas mal de choses. Le but, ça serait au moins de faire des vidéos dessus jusqu'à GT7, pardon. Dès que GT7 sortira, évidemment, je rebasculerai sur un let's play GT7. Quand GT7 sera terminé, peut-être qu'on rebasculera sur GT5 ou sur un autre jeu, je ne sais pas. Mais voilà, on va essayer d'aller le plus loin possible. Également, il se peut que certains épisodes, je les fasse en live, notamment pour certains événements à la fin, qui durent à peu près 1h40. Je pense que c'est beaucoup plus intéressant de les faire en live avec vous que de les faire en vidéo, tout simplement. Pour le début, je pense qu'on va déjà commencer à faire ça en vidéo. Après, je verrai bien suivant vos retours ou pas. Si jamais vous voulez qu'on fasse ça en stream, ça peut être intéressant. Donc n'hésitez pas à me dire. Je pense que les 5-6 premiers épisodes seront en vidéo certains. Après, on verra bien suivant le reste. Bon. Alors du coup, je vais vous laisser pour cette vidéo-là. Donc c'était une vidéo introduction au Let's Play. Rendez-vous demain pour la première vidéo, et le but dans tout ça, ça serait au moins de faire une vidéo par semaine, peut-être deux, suivant la longueur du truc. Ça sera sans montage, évidemment, je le précise parce que voilà, ça va être assez compliqué pour moi de pas de duplo de ça, un rythme un peu plus
précis. Évidemment, je vais essayer de préparer tout ce qui est miniature, tout ça, pour essayer de faire un truc propre et surtout le truc qui me prend le moins de temps possible. Il se peut d'ailleurs que la miniature soit tout le temps la même, mais juste avec un numéro qui change. Voilà. On verra bien si j'ai le temps de faire ce que je veux et ce que je peux, tout simplement. Ou alors je prendrai des screens directement et je me débrouillerai, enfin bref. On verra bien, mais en tout cas, voilà, je vais essayer de vous sortir le plus vite de vidéos possible là-dessus. J'espère que ça vous plaira. Voilà, je prends un risque. Mince, je vais démarrer les... Voilà, c'est pas grave. Je prends un risque étant donné que je ne sais pas du tout comment ça va vous plaire. Et si ça va vous plaire, voilà, sachez que ça va être la série principale. Évidemment, comme je l'ai dit, il y aura d'autres choses sur la chaîne jusqu'à GT7. Donc, voilà. J'ai à peu près tout dit. Donc, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Rendez-vous demain, donc, pour la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut !